Non, c'est quelle touche pour les avoir tous? En urgence, on va appeler les pompiers. Comme ça, dès que c'est... Ok, il semble que la zone soit libérée, donc voilà, on va voir les pompiers. Les gardiens anti-émeute supplémentaires sont arrivés. Encore? Pourquoi faire? Donc là, il n'y a pas d'accès. Donc ouais, donc il n'y a pas d'accès, donc il va falloir en faire un. Et pour en faire un, pas trop le choix, il va falloir qu'on défonce un mur. Donc on va croiser les doigts en espérant que ça marche. Ici, on va appeler un ouvrier. Non, bah en fait, même pas. Alors, on va croiser les doigts pour que ça marche. Essayer de démolir. On peut pas démolir le mur. Ok, comment... Comment on va faire? Alors là, je ne sais pas du tout. Ok, faut que je maîtrise l'incendie. Ok, alors apparemment dans le déploiement, ouais, ok, j'attribue personne ici. Le véhicule maintenant, voilà, viens avec nous. Et si je vois qu'on nous fait là,
Ok. Vous passerez temporairement le reflet. L'air, c'est tout ce temps. Moi, je vais passer ici. Ah, bah voilà! Ils ont tué le dirigeant, putain. C'est pour ça qu'il avait pas la même tronche que les souvenirs que dans le... Purée. Il y a de l'émotion là, hein. Franchement, wow. Pour être première session de tournage, moi là, wow. Je suis sur le cul, franchement, cette version finale me met sur le cul, clairement. Ça aurait pu être beaucoup plus mal tourné, ouais, surtout pour toi. L'armurerie déploie tout de suite des gardiens armés. Ok, allez, hop 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 hop, allez, ça me saoule. Allez, donc voilà nos objectifs, hein. Donc on a les tasers à faire, enfin voilà, on a tout ça à faire. Alors on a tout ça à faire. Oh purée, non c'est bon, on peut juste cliquer sur Polaroid et passer au chapitre suivant. Mais en gros voilà, là on a l'explication, mais bon, enfin on a un tuto pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. De toute façon le jeu, on pourra toujours en reparler pendant la partie, hein, y a pas de souci, j'ai pas envie de me taper tout le tutoriel. Donc attendez, je vérifie juste. Donc il y a l'armurerie. Armurerie, déployer des gardiens armés, le gilet tactique, ok, ouais, donc c'est tout ce qui est sécurité, okay. Allez, hop, on s'en fiche. Condamnation, oula, il y a eu des flashs. Ok, très bien, alors je vous explique rapidement, donc désolé pour la coupure un petit peu brutale, mais j'ai saturé mon disque dur, hein, comme d'habitude. Donc nous nous retrouvons le lendemain, j'ai eu le temps de monter les deux premiers épisodes. J'ai baissé également un petit peu le son du jeu, normalement vous êtes censé m'entendre pendant les cinématiques, parce que pendant les cinématiques le son était un petit peu fort. Et donc nous allons donc reprendre au chapitre 4, là où nous étions quittés, au chapitre coordination. Donc vous allez avoir les premières secondes en double, mais voilà, hein, rien de bien grave. Voilà, voilà, allez, c'est parti, coordination. Là, des détenus suicidaires, il est en surveillance préventive, Henry Morgan, le complice de Bénédicte, 13 mois de tirer sur une peine de 5 ans. Aidez-nous à nous occuper de ces hommes.
Le manque d'engagement ici est tout simplement répugnant. Ces hommes sont totalement démunis de la moindre parcelle d'humanité. On leur accorde à peine le moindre respect ou la moindre compassion. Ce n'est pas ce que ces hommes méritent. C'est vrai, capitaine, on ne traite pas ainsi des êtres humains. On ne leur accorde pas la moindre parcelle d'humanité. Comment pourraient-ils se conformer à nos règles s'ils ne peuvent agir qu'avec la plus grande réticence? Nous devons aider ces hommes. Il nous faut des salles de classe et des programmes de réhabilitation, un atelier aussi, pour qu'ils puissent retirer de la fierté de ce qu'ils font. Vous n'avez pas compris, docteur. Ces hommes ne sont pas humains. Venez voir par vous-même. Détenu Morgan, debout. Debout Morgan, il y a de la visite. La réhabilitation 1, on aurait bien meilleur compte d'enseigner le banjo à des singes. Comment tu t'appelles, mon gars? On t'a posé une question. Henri, monsieur. Il doit faire froid ici, Henri. Les lits sont pleins de poux, monsieur. Ils me bouffent tout cru. La chemise bloque les rats. J'en ai jamais vu d'aussi gros. Comment dormez-vous? Je ne dors pas. La seule chose que je fais ici, c'est réfléchir. Il y a plein de temps pour réfléchir. Et à quoi réfléchissez-vous? À mourir principalement et à ma petite fille. Ça sera dur pour elle aussi, Henri. Il va falloir être fort. J'ai jamais quitté l'atoll de toute sa vie. Elle sait même pas que j'existe. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie, Henri. J'essaierai de revenir vous voir un jour. Merci, monsieur. Oui, monsieur, merci, monsieur. Faites venir Walter. Ben ouais, mais c'est toi, Walter. Pas compris. Bon. On peut s'occuper de ces rats. Ce n'est pas le tiers-monde ici. Je vais faire amener de la mort aux rats. Alors, de la mort aux rats dans une cellule d'un prisonnier suicidaire, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais bon. Ok. Excusez-moi, attendez une minute. Faut que je m'arrête la gorge. Voilà. Alors, après la tragédie de la prison d'état d'Hachemiko, nous sommes sous étroite surveillance politique. En attendant qu'on trouve un remplacement au poste de dirigeant, j'aimerais que vous preniez les rênes. Il y a eu toute une série de suicides récemment dans cet établissement et ce n'est pas dur de voir pourquoi, mais nous devons d'abord régler un problème plus immédiat. La direction a décidé de nous envoyer un important groupe de détenus. Les premiers arrivent demain et nous avons nulle part où les loger. Ok, il va falloir construire des cellules. Nous devons construire un tout nouveau bloc de cellules assez grand pour accueillir la nouvelle admission. Ok, très bien. Combien de détenus on attend? Ah d'accord, ah, les plans sont déjà faits. Oh, mais c'est génial. J'ai indiqué ici le plan possible de prochain bloc de cellules. À l'opposé de la route? Oh, ouais, non, c'est chiant. Enfin bon. J'ai indiqué ici le plan possible pour le prochain bloc de cellules. Il devrait nous offrir assez de cellules pour héberger les nouveaux prisonniers. Les douches sont également indiquées. Alors, tu es docteur, hein, ou gérant de la prison, hein? Parce que, voilà. Si tu es docteur, tu outrepasses un petit peu tes prérogatives, monsieur. Puis en plus, moi, les cellules, je les ferais pas comme ça. Mais bon. Vous suivrez. Ou si vous voulez construire autre chose d'autre complètement différent.
Ouais, bon allez, on va suivre ce plan-là, ça va être original, après sinon on va faire toute la même chose alors. Mon travail consiste à assurer le bien-être de ces hommes. Construisez d'abord ce nouveau bloc de cellules et nous verrons ensuite comment y parvenir. Ok. Bon. Pour 40 détenus? Ouais, bon, ouais. Hop, allez, on va dire ok. On va faire ça en béton. Et on va juste accélérer un petit peu le pas. Alors, on va faire ça. On va également faire matériaux en béton. Ça et on va mettre ici ils sont où? Détecteur de métaux. Ok. Donc ça, on va poser les murs. Ça, ils vont construire. Hop. On va construire le reste pendant que ça se fait. Bon allez, donc ça c'est de la construction, hein. C'est du gameplay de base de Prison Architect. Ok, et il nous reste... Alors je vais mettre en pause. Pour pas qu'ils obstruent ce qui sera les futures portes de cellules. Il nous reste ici la douche. Il y a ça, je vais tout de suite se mettre les objets qu'il faut, à savoir des lits.
voir, je peux remettre le jeu en construction normale. Ok, je vais retourner le lit et les mettre dans ce sens-là. Ok, ensuite les toilettes. Alors les toilettes, soit on est bâtard, on les met là. Non, allez, on va être sympa. On va mettre ça là. Tiens, ils ont déjà mis tous les lits. Ah ouais, ils sont efficaces en fait les mecs. Ouais, j'ai l'impression que les ouvriers ont été upgradés hein, au niveau du code. Parce qu'avant, ils étaient quand même nettement plus lents. Ils se paumaient un petit peu en route. Le pathfinding, ouais, le pathfinding des ouvriers, à mon avis, a été amélioré. Bonne nouvelle. Ok, il manque plus que les portes, de prison à mettre. Ah, je me suis planté. Ok, d'accord, donc va falloir vraiment que je les mette au clic. Je pensais que ça outrepasserait les murs de béton, mais en fait non. Donc les portes, on peut pas faire des tours de 180 degrés. On fait, en fait, il y a que deux positions, c'est soit horizontale, soit verticale, et c'est tout. Ok, donc là toutes mes cellules sont prêtes. Ok, on va pouvoir les définir. Ah, j'ai oublié un truc par contre, j'ai oublié, c'est de raccorder les toilettes à l'eau. Ok. Alors on va juste... Voilà, c'est bon, les ouvriers, ils sont déjà là. Franchement, balèze. Alors... Ouais, ok, bon bah ça, je suis pas trop pour, mais ok. Je peux mettre les tuyaux, enfin les... On va essayer si je peux mettre les... Ouais, normalement je peux. Normalement je peux. Ouais, pareil, je compte l'électricité.
va en manquer là également. Donc on va faire ça comme cela. Voilà, comme ça au moins ils sont pas dans le noir non plus. Donc ça, ok. Construire la zone de douche, donc ça, oui, ça j'ai compris, mais d'abord je vais créer les objets. Les pommeaux de douche. Les pommeaux de douche, donc ce sera ici. Et normalement, ils peuvent se raccorder directement au gros tuyau. J'ai pas besoin de mettre de petits tuyaux ici. La douche. Ouais, c'est là. Les mecs, je sais pas ce que vous foutez, mais... Ok, et là, l'eau n'est pas assez puissante. Bon, ben, il va falloir que je fasse un autre accord. Si je fais ça comme ça... Et ça comme ça. Est-ce que ce sera suffisant pour alimenter les dernières toilettes qui sont pas reliées? On va bien voir. Alors, ça va falloir également que je les relie. Voilà. Donc là, notre bloc est prêt. J'ai les douches et tout. Construire une cour. Ah, il va falloir que je construise. Bon bah. Ok. Je la construirai à l'arrache la cour. Hein. Allez, 15 mètres carrés, clairement. Voilà. J'espérais bien vous avoir à une de mes séances. J'y arrive pas, je peux plus rester dans ce trou. Vivez simplement les choses au jour le jour. Je veux dire, dans cet endroit, là-dedans et là-dehors, ils ne veulent pas me laisser voir ma famille. J'ai fait une connerie, monsieur, et ils vont rien faire du tout. Ok, ça va aller, Henri, je suis avec. C'est marrant, il disait exactement la même chose. Qui, Henri? Vous pouvez me le dire? Il veillait sur moi. Depuis qu'on était môme. Tenez bon, Henri. Quoi qu'il arrive, je suis avec vous. D'accord, ok. Main en l'air, connard! Chope le pognon, gamin. On dirait le commissaire Gordon de Batman. Lâchez vos amis bien évidemment. Oh merde. Tire bon sang.
T'attends quoi, bordel? Mais tire, Lopette! Wow! Ouais, il y a du sang quand même. Merde, merde, merde! Tirez pas, tirez pas! Avec moi. Il n'est plus là du tout. Je vais passer un accord avec vous. Venez dans mon prochain groupe et vous verrez si je peux assouplir vos droits de visite. Assouplir vos droits de visite. Vous feriez ça pour moi, monsieur? Ce ne serait pas que pour vous, Henri. Bon, ambiance. On a suffisamment maltraité ces hommes, c'est fini à présent. Le dirigeant précédent n'était pas un fervent adepte de la réhabilitation, mais je pense, moi, qu'il faut rendre à ces hommes l'espoir, un avenir. Alors, savoir que je suis un mec cool, hein. Moi, je suis un mec vraiment cool, mais... Dans les jeux vidéo comme ça, moi je suis un gros sadique. Faut le savoir. C'est que moi, là bon, on va faire le tutoriel, donc on va jouer le jeu. Mais lorsqu'on fera une partie libre, je vais être un gros salopard, hein, clairement. Je vous le dis tout de suite. Nous devons leur apprendre ce qu'ils deviendront, ce qu'ils devront savoir à leur libération, une éducation, une compétence de base. Commençons par un programme d'apprentissage. Former ces hommes à des vrais métiers pouvant avoir l'avenir. Bon. Alors on a accès à l'administration. C'est là-bas. Ok. Travail carcéral. Alors, est-ce que je peux débloquer également autre chose? Alors, attendez, sécurité... Alors, je voudrais débloquer ça également. Ça, ça. Ça, ça, ça. Ça peut être utile plus tard, mais pas tout de suite. Et patrouille de chien. Voilà. Alors, former Saint-Dectus, on s'en fout. Faire travailler les détenus dans la cuisine. Alors, ça, c'est pas compliqué, c'est le déploiement. Non. Non, c'est dans la logistique. Travail carcéral, dans la cantine, non, dans la cuisine. Voilà, 5. Est-ce qu'on a d'autres travaux carcéraux possibles? Apparemment, non. Construire un atelier. Bon, on va voir ça. Alors, construire un atelier, une zone d'exportation près de la route. Bon, alors ça, la zone d'exportation, ça va être très rapide. On va mettre ça là. Voilà. Et on va construire l'atelier ici. Ça va être sympa, on va le faire en briques. On va faire du... Ouais, on va le faire cette dimension-là. Allez, 21 sur 21. Avec une petite porte de prison. Il n'y a pas d'infirmerie de dispo?
Régler le niveau d'admission de prisonnier sur 10. Ok. Je suis obligé de le laisser. Ok, d'accord. Faire travailler les détenus à l'atelier. Ouais, donc ça, l'atelier, je suis en train de le construire. Alors ça maintenant en position verte. Ok, alors juste un truc que je vais faire rapidement. Ouais non, allez hop, ça attendra. Alors service électricité. Voilà. Donc déjà il y a ça. Et on va mettre l'atelier. J'aurais pas pu le mettre par ordre alphabétique, ça aurait été beaucoup plus sympa. Ok, alors, il me faut des scies d'atelier, des presses d'atelier et des tables. Alors, c'est pas compliqué, je zoome un petit peu, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, il me faut des tables, on va en mettre 3, ça ira. Il me faut des presses d'atelier. Et des scies d'atelier. Allez, il faudrait bien que j'en mette 4. Et il y a des établis de menuisier également, pourquoi pas. Allez, hop. Hop. Voilà, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit de tout raccorder en électricité. Et c'est gagné. Faire travailler les détenus nettoyés, bien sûr, il faut qu'en logistique. Voilà. Je suis parvenu à convaincre le chef de faire une exception pour la famille de Morgan. Bonjour monsieur, Henry Morgan, je suis là pour voir Henry Morgan. Derrière la ligne. Oh pardon, je suis venu voir Henry Morgan, c'est mon mari. Je ne le répéterai pas, derrière la ligne, tout de suite. Oui monsieur, pardon monsieur. Gros connard le chef de la sécurité. Hein. Il va faire cuire tout le monde, résultat. Ok, avancez, on n'a pas toute la journée. Putain, mais c'est quoi ce fils de... Non. Oh, le connard. Bon, allez, hop. C'est ce que vous lui racontez, en tout cas, c'est pas vrai. Allez, passez.
Je suis navré, on a découvert de l'alcool ce matin dans sa cellule. Je peux rien y faire. Et mon docteur m'a demandé de ne pas trop forcer. Putain! Ambiance! C'est la fête! Là, il faut vraiment que je m'achète une. Ça s'appelle une langue de belle-mère, hein, il me semble, là, les sifflets là. Enfin bon. Alors. Voilà qui est très décevant. Ben ouais. C'est si difficile de trouver des vrais moyens d'aider les hommes. On doit vraiment leur apprendre comment s'occuper d'eux. Il va falloir s'occuper d'un bon parloir, je crois. Les familles font la queue à l'entrée, conserver tout niveau de parois. Allez, les parois, oui, d'accord, ok. J'ai mené ma petite enquête, je suis arrivé que la plupart des hommes savent à peine lire ou compter. Nous devons y remédier. Ouvrir un ensemble de salles de classe et nous inviterons les professeurs à leur enseigner les bases. Sans éducation, ces détenus sont condamnés à une vie de crime. Nous ne laissons pas demander. Laissez-nous bien améliorer les capacités. C'est chiant cette mission! Bon, pardon. Alors, tout de suite, par contre, ce que je vais faire, t'es sympa, mais les admissions, zéro. La prison est surpeuplée. Donc, clairement, voilà. Hein, j'ai pas envie d'une émeute, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Construire un nouveau parloir. J'ai même pas vu où il était le premier parloir. Il était là. Ok, d'accord. Bah, en fait, même pas. Regarde, j'ai qu'à faire ça. Elle est où le... Il est où le parloir? Parloir. Hop, regarde, si je fais ça. Ah, c'est scripté, c'est un scriptonite, putain. Bon. Ben, j'ai compris, la salle de parloir, allez, on va la faire là. Ah là 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 là, bon. Allez, on va la faire 15. On va la faire 15 sur 15. Comme la cour. Une porte de prison. On va mettre en x3. Ok, table. Ouais, table de parloir. Voilà, on regarde ça comme ça. Un petit truc en plus.
objet. Voilà. Et pareil ici. Hein, parce que faut pas déconner. Ok. Et il va nous rester. Alors, pour le moment. Cette porte va rester ouverte en permanence. Et il nous faut de l'électricité. On va mettre ça jusque là. On va tracer jusque là. Voilà, normalement on devrait y en avoir assez pour alimenter toute la salle. Où en est le fameux générateur qui est ici? Ah oh, oui d'accord, c'est un générateur full, donc pas de soucis. Il peut alimenter bien plus que cela. Et il ne me manque plus qu'à définir en pièces. Ok, alors, il nous faut les téléphones. Alors, les 20, les 20 visites... Ah oui, ok. C'est parce que les visites, il faut les organiser. C'est vrai. Formation thérapie complémentaire, traitement thérapie. C'est où? D'accord, oui, en effet, il n'y a pas de créneau horaire, il y a vraiment que dalle de fait, quoi. Alors, travail. On va mettre 3 heures de travail. Au niveau des programmes, donc, sécurité à l'atelier. Ok. L'hygiène. Formation scolaire pour débutants, on n'a pas encore créé d'école. D'accord, donc ça il va falloir qu'on change. On n'a pas de... Ouais, donc on n'a pas d'infirmerie. Oh putain, c'est la merde cette prison. Bon. Ok, et donc ça se fait tout seul, hein, le parloir en réalité. Bon, on va... Donc on a... Ouais, donc les visites, ça se fait tout seul. Ok. Les téléphones dans les cours. Cabine téléphonique. Ça l'arrache. On a foutre. Voilà. Hop. Démerdez-vous avec ça.
Alors. Quoi, il manque une cour ou... Peux me laisser le téléphone? Ouais non, si, c'est bon. Bon, et il nous faut une salle de courrier et tout ce qui va avec. Putain, la vache, il y a eu du carnage ici. Bon. Qu'est-ce qui va pas? Mais qu'est-ce qui va pas, les mecs? Ça y est, c'est déjà le bordel. La famille, ça vient. Il y a la détente, ouais, mais la détente, ça va arriver. Minute. Bon. Le courrier, la salle de courrier. Donc la salle de courrier, on va la faire là, hein, c'est pas compliqué. Hop. Allez, je la fais à l'arrache. De toute façon, je vais tout faire à l'arrache là parce que voilà, j'ai envie qu'on avance vite et qu'on fasse une partie un petit peu en un petit peu voilà comme on en a envie. Il y a les salles de classe, il y a ça aussi à faire. Les salles de classe, on va faire ça. On va faire ça là. Ok. Donc là, pareil, électricité. On va tirer ça d'ici. Hop. Jusque-là. Faut juste. Hop. Ça, ce soit constamment ouvert pour le moment. Alors, alors il nous faut donc la pièce, ce sera la salle de lettres. Un contremaître, d'accord, ok. Et contremaître, il faut un bureau, c'est ça? Ou il y en a un dispo de bureau? Il semble y avoir des bureaux de dispo, donc on va juste embaucher un contremaître. Quoi qu'il soit, on va déjà s'engager à un mec juridique. Le paradis fiscal pour 50 000, on peut se le faire. Les tasers. Le jet tactique. La duplication, on s'en fiche pour le moment. Alors, ouais, construire une chapelle, tout ça, d'accord, ok. Bon, allez. En gros, tout ça, c'est tout ce qui est, voilà, sécu... enfin, ouais, on doit prendre soin de nos détenus, quoi. Allez, ok, bon, alors, fondation en briques. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, les salles de classe. Les salles de classe, combien elles doivent faire de... Salles de classe. 5 x 5. Ok, d'accord. Faire des 6 x 6.
Voilà. Hop. Il nous faut. Je zoome un petit peu. Alors en objet, il nous faut des pupitres et des bureaux. Alors les bureaux, ça va pas être compliqué à chaque fois. Ah, attendez, je me remets juste. Voilà, bien. Hop. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Tac. Et tac. Ok. Alors, il y a ça et les pupitres. Dans l'autre sens. Ok. On va faire ça comme ça. Ouais, il est en dehors celui-là. Hop. C'est bizarre. Ouais. En fait, ici, il manque un petit morceau. Il manque un petit morceau de la salle de classe ici. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, ça va permettre. De faire les formations taser. C'est le mec, il en a rien à foutre, il va faire les tasers avant toute autre chose.